Ça fait 30 ans que je le dis, moi. On a graduellement montré aux gens que la violence a été admise. Ça a commencé avec les manifestations dans les grandes villes et dans Paris. La première échauffourée de banlieue chez nous, c'était côté de Lyon, là-bas, à Vaux-en-Velin. C'est la première fois qu'il y a eu un truc en France comme ça, où les mecs ont tout cassé, brûlé les bagnoles, etc. Et ensuite, on s'est mis à faire des manifestations dans Paris de plus en plus régulières et de plus en plus violentes, dans lesquelles on a expliqué aux gens que c'était normal, qu'on défonce les magasins, les abribus, les bagnoles qui étaient sur le truc. On a considéré qu'il y avait une légitimité à faire ça. Et donc c'est devenu banal, et puis ensuite on est monté d'un cran, d'un deuxième cran. L'ensemble de la société a accepté, on a trouvé des bonnes raisons, on a dit ah oui, il faut les comprendre, c'est parce que ils luttent pour le travail, et on a accepté. Et si tu prends la chronologie de cette émission-là depuis les années 90, tu verras, je le dis régulièrement, je dis attention, comme j'ai dit il n'y a pas très longtemps, on a eu la première grenade jetée à Aubervilliers, c'est le début. C'est le début. Là, on a eu des mecs qui ont jeté une grenade sur des gens pour je sais pas quoi dans un bar ou je sais pas où à Aubervilliers. Et ça, c'est la première grenade qu'on a. Et on va en avoir d'autres. On va en avoir de plus en plus souvent. Et cette grenade, on l'a banalisée. Ça n'a pas scandalisé. Notre premier ministre ne s'est pas déplacé, etc. On s'est dit bah ouais, c'est les mecs, c'est un coin où ils vendent de la drogue, c'est un point de deal. Il y a toujours des histoires. Terminé. Donc c'est accepté. On a tamponné. C'est le début de quelque chose de nouveau. Et donc là, on est en train de tu me demandes comment c'est arrivé. Mais là, on continue à grimper. On a pris l'habitude des salves de Kalachnikov, puisque bon, ça fait quoi? Ça fait 15 ans à peu près que ça tire à la mitraillette. Donc ça, on a pris l'habitude. On a intégré ce truc-là. Et maintenant, on passe à la grenade. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors tu vas là, je te paye. Ajoute maurice.usa sur Skype.